Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre des messages, je ne sais pas du tout sur quoi ça va porter, on va le découvrir ensemble. Bien sûr, c'est du général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. Je tenais à vous remercier pour tous les jolis commentaires, pour tous vos abonnements, pour votre présence, pour, voilà, pour tout. J'espère que vous vous portez bien, moi ça va. Alors, on va commencer. Par. Un petit message avec j'ouvre mes ailes. C'est des cartes oracles de la transformation. Alors ça peut être un message pour se libérer de ses peurs, éviter les conflits, échapper à la manipulation ou alors pour créer l'abondance. Donc on va voir un petit peu. On va prendre un petit message avec celui-ci pour commencer. Petit message à transmettre aujourd'hui pour toutes les personnes qui vont regarder cette guidance. Celle-ci. Alors, un message, les frontières. Courage, vous pouvez prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre prise, votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Il y a ce message-là, en dos de deck. Maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie. Et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et vous ma et maintenez le lien. Voilà. Donc maintenez le lien. Alors, ensuite. Message avec le tarot de la bienveillance. Allez, un petit message à transmettre pour toutes les personnes qui vont regarder cette guidance. Ouh là là. Ouf. À son tombé. Alors. On parle de patience, le premier message. Patience. Et le deuxième, c'est le 10 de terre. Donc, je vais vous transmettre les messages associés. Alors, la patience. Alors, on vous parle de patience et de modération. Par cette carte, on vous rappelle qu'avec de la patience, vous découvrez votre raison d'être. Tous mes besoins sont comblés, même si je ne le vois pas encore dans le monde extérieur et visible. Les anges veillent sur moi. La modération en toute chose est requise en ce moment. 10 de terre. Alors, on parle avec le 10 de terre d'affluence, d'abondance matérielle et de maîtrise. On parle d'une sécurité financière qui arrive à vous et un gros héritage de richesse et de savoir. À présent, je suis en mesure de prendre du recul et d'observer les résultats de ce que j'ai construit avec persévérance et effort. Je réclame l'appropriation des châteaux que j'ai construits et qui ont pris forme dans le monde matériel. J'ai acquis de la maîtrise et j'ai hérité des trésors de savoir et d'expérience grâce à tout ce que j'ai vécu. Je souris avec appréciation à la chance que j'ai eue. Très très joli message. Donc là, il y a de l'abondance qui arrive. Donc patience, l'abondance arrive.
Bien. Alors ensuite. Je vais vous transmettre des messages avec l'oracle. Reflet de vie. Alors là, on me parle d'une voie toute tracée pour une personne. Et une route. Et une route qui est ouverte devant une personne. Là, c'est... Pour moi, c'est vos anges, hein. Il y a une voie toute tracée, on vous emmène sur un chemin, tout tracé, une route toute dégagée, hein, toute belle. C'est très très beau en fait. On vous porte vers une union, un mariage avec une personne. Et ça serait une union et un mariage vraiment dans la pureté, hein. Ça serait très pur. Il y a beaucoup de pureté. Mais en fait, peut-être que ça vous impressionne tellement pour vous, pour la personne avec qui vous êtes, ou la personne de votre cœur. En fait, si ça vous... ça fait remonter beaucoup d'émotions, hein. En tout cas, vous allez avoir énormément d'émotions. Ouais. Alors, ce ne sera pas de la tristesse, hein, ce sera des émotions très fortes. Ce sera peut-être... Pour moi, je vois plus de la tristesse... non, des pleurs de joie, voyez? Mais ça va être puissant. Ça va être très, très puissant. À l'intérieur de vous, ça va être très puissant. Je vois des larmes de joie aussi dans cette union, dans ce mariage. Ça va être merveilleux. Hein. Ça va être merveilleux. Et je vois une petite ou une grosse somme d'argent pour cette pour pouvoir faire cette union, ce mariage qui va vous arriver. Peut-être que vous avez fait des demandes. En tout cas, je vois une petite ou une grosse somme d'argent qui va arriver pour que vous puissiez bah, aller... au bout de ce souhait, de ce rêve. Je vois aussi une voie toute tracée par rapport aux professionnels, autant pour l'un que pour l'autre. On vous pousse vers une rencontre amoureuse. Et pour moi, on vous pousse sur le chemin, en fait. Depuis la saison de l'automne, on vous pousse. On vous pousse vers cette personne. C'est beau. C'est magnifique. On vous pousse vers cette personne. Pour moi, depuis l'automne. Vous vous attirez énormément. On vous pousse depuis l'automne. Vos anges vous poussent. On vous pousse aussi depuis la saison de l'automne sur une voie toute tracée dans votre professionnel. Peut-être autant l'un que l'autre. Et... Ouais. Et peut-être que depuis l'automne, on attend un déblocage de situation liée au professionnel. Et... ouais. Il y a peut-être un manque financier, un manque d'argent, et c'est vous travaillez énormément chacun. Vous êtes dans un travail, ça s'appelle jusqu'au surmenage. Mais levez le pied parce que de toute façon, je vois une petite ou une grosse somme d'argent arriver. Mais je vois que depuis la saison de l'automne, vous êtes dans de la force, dans du courage, que ce soit dans votre professionnel ou aussi pour mettre de l'équilibre au niveau du sentimental. Il y a beaucoup de force, beaucoup de courage. Il y aura beaucoup de force, beaucoup de courage aussi dans cette union, dans ce mariage. Vous vous
vous soutiendrez énormément. Vous avez peut-être besoin autant l'un que l'autre de réconfort en fait par rapport au travail parce que vous pouvez être en surmenage pour récupérer une certaine forme de force et de courage. En tout cas, je vois une rencontre amoureuse qui va réveiller énormément d'émotions. Je vois une rencontre amoureuse après un déblocage financier pour pouvoir réaliser vos souhaits. Pour moi, il y aura l'arrivée d'argent et après une rencontre amoureuse. Ouais. Je vois des larmes de joie aussi dans votre professionnel. Avec cette arrivée d'argent. Il y a des larmes de joie aussi dans cette rencontre amoureuse. Il y aura plein un grand mélange d'émotions. Ce sera plein d'émotions différentes. C'est intense, hein. Vous travaillez énormément. C'est beau. Magnifique. Alors. Et perdez pas la force et le courage pour le domaine financier. Hein. Ni pour le professionnel parce que ça arrive. Hein. Eh oui, regardez, ça arrive. Naissance de projet. Donc là, il va y avoir un déblocage financier pour vous. Et après, il y aura une rencontre amoureuse. Et là, voilà. Après, vous allez pouvoir engendrer la naissance du projet ensemble. Et vous irez droit en avant vers ce chemin tout tracé. Ouais. Je vois la naissance du projet. Il y a des choses qui sont en train de naître. Vous y travaillez hein, sur la naissance de tous ces projets. Pour moi, depuis la saison de l'hiver. Ah oui. Vous êtes très accompagné, hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a l'appel à la sérénité qui arrive. Hein. Ça peut être glacé entre vous et cette personne. Alors, par contre, vigilance, hein. Il peut y avoir de l'hypocrisie, jusqu'à des violences. Hein. Autour. Allez, un petit message. Donc là, y a des projets qui sont protégés, qui sont guidés. Et il va y avoir des beaux déblocages. Hein. Eh oui, regardez, déblocage. Élévation. C'est bon, on vous élève. Oh. Oh là là. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Eh oui, on va vous élever. Vous allez construire un foyer, une famille. Il y a énormément d'amour et de sentiments. Vous êtes les inséparables. Je vois des démarches administratives aussi dans votre professionnel. Qui peuvent prendre un petit peu de retard. Vous avez peut-être eu un petit retard aussi dans votre professionnel par rapport à des démarches administratives. Ouais, vous avez joué une personne qui a dû prendre un temps de solitude. Vous vous êtes écarté un petit peu pour pouvoir rééquilibrer, remettre tout en ordre en fait. Ouais, je vois le professionnel qui a pu prendre certaines lenteurs, un certain retard. On parle d'une personne qui peut vivre à la campagne. Vous allez retrouver une santé, une énergie. Un grand-père dans l'au-delà qui veille sur toutes ces choses, hein. Qui ouvre toutes les portes. Oh, bah oui, on ouvre toutes les portes, hein. Déménagement, aménagement. Joie, gaieté. Mais il faut, pour moi, il faut attendre dans le déblocage financier avant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre?
Ouais. Fin du printemps. Pour moi, ça va être à la fin du printemps. Il peut y avoir un déménagement à la fin du printemps aussi, avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. Hein. Il va y avoir des émotions fortes là. On parle d'un métier artistique. Je vois des communications et des messages qui vont arriver. C'est lié à un métier artistique. Voilà, bonheur, réussite. Hein. Oh, que c'est beau. Soleil, soleil. Bah, bonheur, réussite aussi dans ce métier artistique, dans le professionnel. Il peut y avoir des démarches administratives qui ont pris un léger retard. Mais ça va se débloquer. Hein. Pour moi, la fin du printemps, là, vous êtes. Il va y avoir un déblocage financier durant ce printemps et à la fin du printemps, et ben vous pouvez vous allez être propulsé en avant. Et vous allez vers cette union et ce mariage. Hein. Et vous avez une voie toute tracée hein, ensemble. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon ben. C'est merveilleusement beau. Il va y avoir des émotions. Hein. Je ressens des choses. Eh oui, un visuel entre nous ne saurait tarder. Waouh, attendez. Je te considère comme mon ami, je te témoigne mon affection. Stop à la pression, à la torture des méninges, de méninges. Souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Je suis amoureux, amoureuse et je saurais te le prouver. Je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Je ne te le dis pas assez, sache que je t'aime, mon amour. On se réconcilie. Ok. Bon, ben c'est beau, hein? Attendez. Des jaloux cherchent à me nuire. Je ne suis pas prête, pas prête. Je ne me sens pas capable de franchir le pas. Et en eau de deck, ne te confie pas à tout le monde. Voilà. Voilà tout ce que je devais vous transmettre. Bon, bah, c'était un réel plaisir pour moi. Non, on va se prendre. Attendez, on va prendre un dernier petit message quand même. On va pas rester comme ça. Non, non, non. Attendez. Je change tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut se prendre? Un petit message de quoi? Ah oui, je sais. On va prendre un petit message avec le tarot des anges. Attendez. Oh. Le tarot des anges gardiens. On va voir un petit peu ce que je peux vous transmettre comme message. Message s'il vous plaît à transmettre. Un petit message s'il vous plaît. Ça veut pas. Alors on va prendre comme ça. Aide de l'émotion. Alors, je vais vous transmettre le message qui est associé à celui-ci. Alors, aide à l'émotion, de l'émotion.
Aide. Aide de l'émotion. Je cherche, je cherche. Alors, une idylle naît, un amour grandit, tout commence avec des fleurs. S'en suivent des conversations murmurées, au téléphone qui dure des heures et des heures. Bref, le processus naturel de ce qui deviendra une belle histoire d'amour. Votre cœur bat la chamade et vous êtes plus souriant que jamais. Il vous arrive même de rougir. Cette lame vous apporte la grâce, la poésie, la sagesse. Avec elle, plus rien n'est comme avant. Il y a de l'amour dans l'air, une personne qui entre dans votre vie ou une personne qui partage déjà votre vie, mais dont la flamme sera vive. Ne vous privez pas de cet amour. Quelqu'un qui fait chavirer votre cœur, qui fait naître en vous des émotions, une personne romantique, l'âme sœur, une personne idéaliste prête à vivre une idylle, un artiste dans l'âme qui parfois a un côté un peu dramatique, une personne sage qui sait ce qui est important dans la vie et ce qui ne l'est pas. Demande en mariage, ah bah dis donc. Comme tout à l'heure. Demande en mariage, mariage, domaine ou événement artistique. Ouvrir son cœur et agir face à une situation donnée. Ne pas se laisser submerger par les émotions. C'est pour ça que vous allez avoir une aide à de l'émotion. En tout cas, demandez cette aide de l'émotion parce que ça va être très intense. Le 6 de l'action. Le 6 de l'action. Victoire, succès. C'est votre jour de gloire et tous vos projets sont sur le point d'aboutir. Tous vos rêves vont se réaliser si ce n'est déjà fait. Par cette carte, ça symbolise la chance, l'optimisme et le travail bien fait. Si vous avez fait des prières pour que quelqu'un vienne à votre rescousse, sachez qu'elles ont été entendues. Votre ange gardien. Vos anges gardiens ne vont pas agir à votre place, mais ils vont vous indiquer la voie à suivre, ce qui n'est pas rien. Félicitations, on me parle de récompense ou alors de promotion qui arrive aussi à vous. Vous allez faire des choix judicieux. Vous avez une certitude. Vous allez recevoir une bonne nouvelle et tous vos efforts vont être récompensés. Eh bien, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà. Je vous fais des millions de bisous. Prenez bien bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances. À bientôt!